Bonsoir, nous nous retrouvons dans une vidéo MindZ. Je suis en compagnie de... Pas Ghost. Pas non plus Bessie. Parce que... Et non, c'est... je suis un usurpateur, j'ai volé le compte de Ghost. Attendez, je vais prendre une potion. Donc quelqu'un peut me soigner s'il vous plaît. Quelqu'un peut me soigner. Tourne là, Star, tu tournes. Qui aura l'heure de soigner le PGM? Ah bah tiens, c'est toi. C'était juste en fait un troll, tu vois. Ça marche très bien les trolls en fait avec moi, parce que tout le monde me croit, mais en fait, personne ne devrait me croire. Voilà. Vous êtes sexy en look de grand-mère quand même, je trouve. Mais je suis pas une grand-mère, je suis un arbre. Bah t'es un arbre grand-mère. Bah dans ce cas, je suis un vieil arbre. Aussi. Et moi aussi. Un arbre ancien, ça a trop la classe. Un arbre centenaire. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux avec Saruman. Et donne-moi la rose. Avec un gros tronc. Exactement. Thank you, bitch. Je suis pas une bitch. Je suis un. On remercie Robin pour sa finesse d'esprit. Hein. Je suis pas une biche. Je suis. Tu vois pas le rapport entre une biche et un arbre? En fait, la biche féconde l'arbre. Je crois que le tronc en mettant un gland dans la terre. Bon, toi, écoutez... tu te fais pénétrer par un arbre en te mettant des glands dans les fesses. Pardon. Non. Si tu dis. C'est l'Orfeust. Putain, je suis con. C'est la classe de Grizzly. C'est la classe à l'état. C'est comment dire, c'est la délicatesse et la finesse de son esprit. Bon, bah écoutez, ça respawn pas. Alors on va se casser. Oh, mais je passe. Telle la finesse du ventre de l'Orfeust, je suis fin. Non, mais c'est bon, ça ira. On va arrêter les comparaisons aussi. Oui. Je puisse... D'ailleurs, je précise que le prénom ou le pseudo L'Orfeust est désormais banni de cette soirée. Oui, il est vrai. Parlons-nous de Titouan. Titouan, alors c'est un personnage minecraftien donc, qui est 100% pas naturel hein, parce que ça se voit directement à sa tête. Hein. Avez-vous déjà vu un arbre vivant? Ouais. Alors certes, vous allez me dire, je plagie. Mais je plagie tout bonnement, simplement bien que oui, je plagie tout simplement. Quoi ? Tout ça pour en finir que c'est du plagiat, n'est-ce pas ? Et oui, c'est marqué j'ai un tronc géant. je lis ce qui est marqué dans le chat. Je l'interprète à ma façon. C'est pas marqué dans le chat, tu racontes n'importe quoi ? Si, avec un œil d'under. C'est marqué and a giant tree. Et un arbre géant. D'ailleurs, les viewers pourront confirmer mes dires. Ils vont rien confirmer du tout. On va aller par là et tu vas te taire. On va t'abandonner dans la neige. Où il y a de la neige? Mais c'est cool. Je pourrais peut-être aussi enlever les coordonnées, ça pourrait être pas mal aussi. Quelle remarque pertinente, tu sais. Gosse, attention. Eh mais les gars, c'est pas de la neige? Bonjour Madame Moulinier. Oh bonjour Monsieur Bruno. Ah bah vous en avez un joli scooter. Oui. Ça fait jeûner, d'ailleurs, I'm a mommy girl in the Robles world. Mon son en plastique est fantastique quand je nettoie par terre avec ma serpillière. Vu mes dimensions, ben ça crée des bouchons. Come on, mommy, let's go, mommy. I'm a mommy girl in the Robles world. J'ai une belle plastique, c'est ça qui me rend chic. Mon appareil dentaire donne un sourire d'enfer. Là, elle m'a fait son de la radiodiffusion. Sinon? À 6h, je suis debout, chicoré, pissadou. Allez, un peu le petit-déj, et c'est parti. Mais 6h, c'est trop tôt, surtout pour une mamie. Venez donc bien plus tard quand je serai parti. Je suis pas moche. C'est ça. Des fois, je plais. Ah ouais, en anglais, I'm always young. I'm a mommy girl in the Robles world. J'aime pas bien le classique, ça fait rustique. Je préfère Pascal Sevran, qui est beaucoup plus fébrant. Ou bien Michael Jackson, qui fait des belles chansons. Eh, j'ai une binette, attendez. Quoi, t'as une binette? C'est l'ancienne partie, en fait. Une binette, ça s'appelle une faux. Oui, mais j'appelle ça une binette. Moi, je traduis. Simple à dire. Paysan. Je suis un petit peu le traducteur de la team, quoi, t'as vu? Puis il y a des gens, ils parlent. Tout ça parce que je m'appelle Bussy, que je fais des études littéraires. Hein. Chut. Pas le dire. Moi, je suis dans sa classe, ce sera pas la littérature que j'étudierai avec les filles qui sont dans sa classe. Oui, bon, alors attends, je refais le calcul. Nous sommes 5 garçons pour une classe de 22.
Ah, ça fait 17 filles pour 5 garçons. Eh bien, nous. Vu que toi, t'intéresses pas en plus les filles, les mecs, ils sont 4, ils sont tranquilles. Mais non, parce que c'est moi qui les embête. Bah, Bussy, tu devrais venir dans ma classe. Moi, tu sais, en fait, Bussy, en fait, ce genre de personne, hein. En fait, Bussy, c'est le mec, c'est comme dans les hentai, tu sais, le cliché des hentai, c'est le viol. C'est les colliers qui violent ses camarades à la sortie de la classe. Non. Je sais pas où tu vois de tes clichés hentai. Dans 700 mètres, je vais dans la Belle et Pirate. Dans 700 mètres, tourne à droite. Dans 7 semaines ? Non, dans 7 semaines. Tu es très beau avec ta flèche. Une flèche dans la mâchoire. On sait que les mêmes prennent des trucs dans la mâchoire, mais à ce point-là... c'est pas la mâchoire, c'est l'oreille. Donc bon, voilà quoi. Ah, j'ai bien visé quoi. Vous savez qu'il y a quelqu'un avec une épée en diamant qui nous suit ? Oui, je sais. T'as failli te prendre un arbre aussi, Bessie. Non, mais ça c'est d'habitude. Non, mais non, j'ai juste embrassé au passage. Water. Et il y a un truc secret dans le puits. Enfin, ça c'est. C'est pas obligé de le savoir qu'il y a un truc secret dans le puits, mais bon. Putain, il y a aucun coffre ? Si, c'est là-haut, c'est fort. Oh, puis chute. Il n'y a rien, c'est bon. Est-ce que ça vous dit qu'on aille dans le puits ? J'ai trop envie de taper. Il y a vraiment des désirs chelous. Ouais, bah en fait. Oh non, il n'y avait rien dans le puits, je suis dégoûté. Rien, mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Mais je t'ai pas entendu. Y a rien, les gars, il n'y a rien en haut. Normalement, il y en a. On n'a pas de chance, il n'y a rien qui spawn. Il n'y a rien qui spawn, on n'a vraiment pas de chance. Ouais. Ouais, moi je vous dis, c'est à cause de Robin, hein, parce que il est venu là, mais en fait, avant on avait plein de coffres. Et depuis qu'il est là, bah. Comme c'est étrange. I haven't got nourriture. Bah, me too. C'est quoi votre degré de nourriture ? J'ai failli te taper encore une fois. Il reste 2 jambons. Je suis à 3 quarts. Il te reste 2 jambons ? Bah, viens. Ouais. Viens, Ghost. Viens, Robin. Robin. Allez, Robin. On va parler comme la leur. On va parler comme Alpha 327 ou je sais pas quoi. Vous avez vu que je n'ai pas prononcé le mot tabou de la soirée. Hein. C'est quoi le mot tabou ? Ah, le. Orchestre. Bravo. C'est quoi le mot tabou ? Je suis bien. Non. Can't touch this. Do, 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 do. Can't touch this. Mon saut, je suis trop fier de moi. Quoi ? Non. Dépêchez-vous. Start. Où est-ce que tu es ? Sur le toit. Je te mate. Très bien. 900. Oh, attends. Tiens, attends. Éloigne-toi parce que je vais faire un. Tiens. Mais je te vois pas en fait. Hein. Pas. Tu sais que j'étais en train d'enlever les vêtements de mon arme un à un. Et puis toi, au moment fait, je te vois pas. Bon, tu viens en 918-2106, s'il te plaît. Et je bouge la tête en attendant. 918. Moi aussi, dis-toi. Viens, on fait en sautant et puis en sniquant. Non, parce qu'on va. Hey! Non, c'est fou, c'est pas moi. Vous avez dit combien déjà? Aïe! 918? Je sais pas payer un seul PV. Tu peux me dire s'il te plaît? 919-2120. D'accord. C'est pas compliqué. Même moi je te vois. Ah bon? Je vous vois pas. Oui. Regarde, un arbre qui saute. Moi je vois Ghost qui fait le con, mais à part ça. Ouais, parce que Ghost, faut savoir qu'il est assez pas très doué mentalement. Hein. Comme le prouve en fait. Steve Ghost est. Mec, tu parles, mais. Je peux bien le voir parce que se tenir avec une épée en bois alors que tous ses congénères ont une épée en fer, ça prouve que voilà quoi. Demande à Titouan si j'avais pas une épée en fer tout à l'heure. Et en plus, l'alliance de plastoc et de cuir, ça fait. Ça fait place. Attends, comment on pourrait faire cuir que mon plastron ? Place, plastron. Cuir plastique. J'ai fait une blague de merde. Je suis fier de toi. Sache que je te filme et que je vais te faire un gif. Ah oui. Oh, j'ai fait une blague de merde. Bon, alors, avant que nous traversions le pont, s'il vous plaît, personne ne fait le con avec les rambardes.
Personne. On ne va pas dessus, on reste au milieu. Je suis le seul habilité à le faire. Non. C'est grave. J'ai trop envie de te taper et de te faire tomber. Et tu sais que j'ai eu peur de t'avoir poussé à un moment. Alors, attends, je précise. Attendez, guide touristique. Viens, viens. Caméraman, vous pouvez contempler cette magnifique... Putain, mais j'arrive pas. Trinitaire de gravier. Et je précise... Attends, je te filme pas là. Voilà, c'est bon. Tu filmes pas en permanence ? J'ai appuyé sur le mode bourré. Voilà, c'est bon. Non, mais en fait, j'étais en F5 pour me voir mieux, tu vois. Oui, donc, tu disais ? Magnifique guide touristique, comme vous pouvez le voir, cette magnifique terre de gravier. Je précise qu'il y a des zombies géants dans le coin. Voilà. Ouais, il y a des zombies cochons. Alors, faut pas l'attaquer. Oui, je sais, non mais. Excuse. What the hell? Oh, c'est nouveau, je connais pas. Il y a une pub là, sur la gauche. Quand tu tues des zombies cochons, il y a 5 mini zombies qui sortent. Tu sais qu'il y en a. Bah si. Tu sais que... Il faudra faire un nouveau tutoriel. Oh my god. C'est quoi ces trucs? C'est bon, j'ai de la chair de zombie putrifiée en fait, ça bon. Ils t'ont vrai. Fait mal, Tito, ou pas? Un peu qui m'ont fait mal. Oh yes, mon loup. Tu sais ce que soigne? Ah, je suis content. Ah, mais c'est bon, c'est... j'ai mes PV. Oh, il y a un cadeau. Non, je veux pas être le premier à voir ce cadeau. Oh, un casque en cuir, comme c'est trop. Cuir, moustache. Je vous ai perdu, les copains. On est dans le village. Ah, j'ai entendu un bruit bizarre. Ah non, c'est simplement le boss qui se met en rondant dans la nuit. Bon, moi je monte le toit, hop. Tu montes le toit. Ah, j'ai réussi à faire bugger le jeu. Oui, une boule de neige, trop bien. Je déconne. Non, j'ai eu une pomme. Ouh! A bit of all the green. Vous êtes tous les copains, hein? Il a une grenade. Non! Ah! Il est con! Quel con! Vous venez de gaspiller une ressource très rare. Trop con, c'est bon. C'est bon, on a une autre, c'est bon. C'est cool, c'est Noël. Seulement pour avoir un peu plus de stuff, hein, quand même, ça pourrait être bien. Le cadeau qui est derrière nous et qui t'attaque. Il y a un zombie qui t'attaque. Et qui brûle. Le cadeau qui est tout en haut, on en fait quoi? Je retourne le chercher. Je veux le cadeau. Trop tard, je suis déjà en haut. Quoi? T'es déjà en haut? Il est en train de mentir, hein, mais il est déjà en haut. Il est quoi? 10 flèches. Bah, oh, moi aussi! Donne le blé. S'il te plaît d'abord. Donne le blé. Si. J'ai des cacao beans. Merci, mais moi aussi j'en ai. Donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, si j'attends devant ici, le coffre devrait respawner. Ce qui, ma foi, est tout à fait logique. A player in the scissor skill while combat logged in. Taco deep. Rip. Très bel accent. Rip him. Rip, ça veut pas dire violet par hasard? Il me semble. Non. Ça, je peux t'assurer que ça veut pas le dire. Parce que moi, en question de viol, je m'y connais. Il me semble. Non, c'est R-A-P-E. Ouais, bah c'est la même chose. Moi, je pense. Wrapped, ouais, wrapped. Wrapped. Non, parce que wrapped. Comment t'as fait pour aller en haut là-bas? Un sucre comme ça. Cadeau. Attention, il y a un zombie dans le. Est-ce que tu veux des torches, Bessie? Des flèches? Oui. Non, par contre, je vais mettre une torche les fesses. Les zombies sont là, ils ont chopé Bessie. Bessie, fais gaffe. C'est pas mon problème. Pub. Mais il est con. Mais reviens là. Voilà, viens te faire un petit câlin par Star. Non, pas toi. Oups, désolé, Ghost. De rien. C'est pas grave. Ça vous dit qu'on... I'm bleeding or not.
Blinding. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Je prends des dommages, les gars. Tu es en train de saigner. Est-ce que t'as de l'eau? Oui, j'ai de l'eau. Ton eau. Est-ce que c'est ça ton problème? Attention. Non. Viens, je vais te soigner. Je prends des dommages. Ça vous dit qu'on se casse de là et qu'on cherche un autre endroit? Merci, vite. Vas-y. Je sais, faut appuyer sur le bouton du milieu. Oui. Est-ce que quelqu'un sait où il y a de l'eau? Attention. Oui, moi je sais, on va y aller. Sage me. Vite, il. Mais je peux pas te soigner plus, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a marqué quoi? Je vais mourir là, ouf, soigne-moi, cherche pas à comprendre, putain. Mais je t'ai déjà soigné. Putain, t'es casse-couille, sérieux. Mais tu m'aurais soigné, je serais pas mort. Mais je t'ai déjà soigné. T'es débile ou quoi? Tu es mort de faim. Mais non, c'est pas de la faim. Si, c'est marqué. Ghost 561 starve to death. Bah voilà, mais... c'est compliqué de regarder... Bon, écoute, start. Dans une telle situation, il faut savoir se réjouir. Parce que, je vous l'ai pas dit, mais on était vraiment dans la merde. Parce que on commençait à plus avoir assez de nourriture. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, je sais, c'est salaud, mais c'est Days, c'est pas une Z. Est-ce que tu veux un saut de lait? Moi, si c'est comme ça. Mais je précise que j'ai vraiment essayé de te sauver, hein, mais je sais pas d'où venait ton problème. Je t'avais soigné, tu étais pas en train de saigner parce que. Comment? Si tu étais en train de saigner, ça aurait été beaucoup moins fréquent. Zombie! Ouais, je sais. C'est quoi tes PV start? Bientôt plus. Il me reste plus qu'une potion de sang en fait. Non, la prends pas! Trop tard. Désolé. Tu sais que tu peux te soigner avec une truc en coma? Non, je vais oublier. Ah. J'ai du blé. Alors que combien? Un. Et une cacao. Bah si, y a un zombie derrière toi, il va te pousser. J'ai trop envie de faire une blague, genre je vais tomber. Et non. Il faudrait qu'il y ait ça, un espèce de double pont. Où tu vois pas forcément, mais si t'es agile, t'arrives à tomber dessous et tu peux remonter. Mais genre, tes potes croient que t'es mort. Par contre, c'est ici où on est pratiquement sûr de tomber proche d'un zombie géant. Ça veut dire, je comprends pas trop là, c'est My throat feels a bit parched. Ça veut dire que t'as besoin de t'arriver à 10 en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Ça veut dire ma gorge est un petit peu sèche. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai plus d'eau en fait. Exactement. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment plus d'eau. T'as combien? Bah, je suis à 9 et j'ai plus de fiole d'eau. Ah, moi aussi. T'inquiète. Oh, ça va. Non, j'ai tué un joueur, il m'a loot qu'une épée en bois. Bah... ça sert à rien de tuer les joueurs au début. Tu vas juste perdre des PV. Parce que vous êtes à peu près à stuff égal et il va rien importer du tout.